Vous cherchez le chemin le plus court vers l'emploi? Alors suivez mon métier pour demain avec le Forem. Anissa a l'œil à tout. Elle mesure, surveille, contrôle l'hygiène et prête une oreille attentive aux patients. Elle sait que le métier d'infirmière est un métier difficile et souvent le fruit d'une lointaine vocation. Depuis toute petite, je voulais faire ce métier, donc j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Il faut être super attentif, super réfléchi et bien connaître le patient. Je vais lui donner l'antibiotique, hein. D'accord? Au niveau douleur, donc ça allait? Oui, ça va un peu mieux. Quand on manipule des médicaments, au niveau dosage, c'est au milligramme près. Physiquement, c'est assez dur, étant donné qu'on travaille à des horaires décalés. Donc on fait des nuits, on fait des soirs, on travaille les week-ends, les jours fériés. On est face à la maladie, à l'angoisse, et pire, à la mort. Et donc, on se sent quand même soutenu au niveau de l'équipe. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la diversité de travail. C'est jamais monotone, on s'ennuie jamais. Ça fait plusieurs années que je fais ce métier-là et donc pour tenir le coup, il faut décompresser. Que le patient nous dise merci, c'est la plus belle chose, je trouve. Ce métier vous intéresse? Vous avez besoin d'une formation ou en savoir plus sur d'autres métiers porteurs? Parlez-en à votre conseiller du Forem ou allez sur leforem.be. Allez. C'était mon métier pour demain avec le Forem. Le plus court chemin vers l'emploi.